Bonjour, savez-vous quel est le point commun entre Lance Armstrong et Alexandre Solzhenitsyn? Ils ont été tous les deux atteints par un cancer du testicule. Bienvenue sur ICL Learning. Avec 2200 nouveaux cas par an, le cancer du testicule est peu fréquent, mais son incidence augmente. Il s'agit d'un cancer du sujet jeune. Il guérira dans 98% des cas s'il est diagnostiqué de bonne heure. Pour cela, apprenez aux adolescents et aux jeunes adultes à s'autopalper les testicules, à la recherche d'une masse et à les inciter à venir consulter le médecin traitant. Une affaire salutaire. Prenons soin de nos bijoux de famille.